Pendant la période républicaine, c'est-à-dire entre 1931 et 1936, la Catalogne et le Pays basque ont obtenu une autonomie que, pour sa part, le peuple galicien s'est vu pratiquement refuser. Témoignage de Celso Emilio Ferreiro, poète et militant galicien. Si o governo da República, feita por abogados legalistas, centralistas, e nada revolucionarios, en vez de dedicarse a poñerlle obstáculos ao cumplimento da autonomía de Galicia, cuyo plebiscito foi favorablemente votado por o 75% da población galega, se houbera dedicado, por o contrario, a aplicar esa autonomía de inmediato, pode afirmarse, repito, que a Guerra Civil non houbera sido posible, porque Galicia, que foi unha presa doada e fácil para os sublevados contra o poder entón constituído, non houbera sido tan doado e fácil, porque entón tería, anque minúsculos, unos resortes de poder que impedirían o triunfo dos sublevados. Dans les premiers mois de 1939, des Espagnols par milliers fuient devant les soldats franquistes et traversent la frontière française. C'est ainsi que 350 000 personnes abandonnent leur pays. Correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
días de este Madrid angustiado que se entregó no fueron los que nos pintan de un Madrid deseoso de hallar la paz. Fue al contrario, era un Madrid muy consciente de que perdía la guerra y perdiendo la guerra no ganaba ninguna paz. Ningún madrileño ignoraba que estábamos en presencia de un ejército vencedor que no se atenía a sus promesas y que exigía víctimas y cumplía con proyectos de venganza que no correspondían a las palabras de paz. Cuando la rendición se hizo efectiva, por las calles de Madrid no había nadie. Algunos charcos de sangre que correspondían a los últimos intentos de resistencia frente a los compromisos contraídos por Casado y una desolación casi absoluta. Grupos de regulares, los primeros que entraron, grupos de legionarios y soledad. Un paseo triunfal por la Castellana de las tropas victoriosas y había como una conciencia profunda de que se había perdido una guerra y que las guerras no se pierden en vano y que la ciudad que había resistido durante tanto tiempo iba a continuar sufriendo un castigo peor. En un mañana próximo comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. En su calidad de jefe de Estado y jefe de los ejércitos de tierra, mar y aire, su excelencia preside el magno desfile durante el cual el general Varela le impuso la Cruz Laureada de San Fernando. Parmi les personnalités assistantes au défilé de la victoire, le maréchal Pétain, ambassadeur de France. Les troupes nationalistes et leurs alliés allemands et italiens, ainsi que les enrôlés marocains, défilent dans les principales villes d'Espagne. Mais en fait, qui étaient les vainqueurs ? Excelentísimo señor don José Angosto Gómez Castrillón, lieutenant général de l'armée, ancien chef des opérations de l'état-major central, ancien capitaine général de Galice, ancien capitaine général des Canaries et chef des forces de terre, de mer et de l'air des Canaries et du Sahara. Diplômé d'état-major de l'armée et de la marine, diplômé d'état-major de l'armée italienne, directeur du musée de l'armée. El alzamiento no constituyó un pronunciamiento ni una militarada tipo siglo XIX, de los que sufrió tanto España desde el final de nuestra guerra a la independencia hasta la restauración de la monarquía con Alfonso XII. El ejército español, en su alzamiento, manifiesta claramente que las armas no representarían ni a una clase ni a una casta, sino al país en todas sus clases sociales. Alcanzada la victoria, el ejército regresa a sus cuarteles y se dedica intensamente a mejorar y perfeccionar su preparación profesional. Reverend Père Venancio Marcos, de l'Ordre des Oblats de Marie Immaculée. Journaliste, acteur de cinéma, producteur à la radio depuis 32 ans d'un programme hebdomadaire de 30 minutes, conférencier et prédicateur dans tous les départements de l'Espagne, auteur de 15 livres sur des sujets religieux. Hay que decir que, en primer lugar, la guerra fue una guerra religiosa. Tanto es así que los papas Pío XI y Pío XII la llamaron cruzada, guerra de religión. No solo ellos, los obispos españoles, en una carta colectiva del año 37 en medio de la guerra, también la llamaron cruzada. No solo eso,
sino que casi todos los obispos del mundo y los católicos del mundo que estaban informados de lo que pasaba en España, la llamaron también cruzada y guerra religiosa. Y en general se puede decir que la guerra fue ganada por los católicos. Ilustrísimo señor don Jesús Suevos, licencié en droit et journaliste, conseiller national de la Falange, sans interruption, depuis octobre 1934. Ancien gouverneur civil de la province de Pontevedra. Ancien attaché de presse auprès des ambassades d'Espagne à Lisbonne et à Paris. Ancien chef national du syndicat du spectacle. Ancien directeur général de la radio et de la télévision et de la cinématographie et du théâtre. Premier adjoint du maire de Madrid. No queremos la paz, sino la victoria. ¿Qué quería yo decir con esto? Quería decir que teníamos perfecta conciencia de que a pesar de lo rotundo de la victoria militar, teníamos que esperar unos años de grandes dificultades políticas y económicas. Era natural que yo pronunciase estas palabras porque yo era un fundador de la Falange. Me honro con ser un fundador de la Falange. José Antonio nos dijo a los falangistas desde el momento de la fundación que la Falange no era primordialmente un partido político, una organización política, sino sobre todo y ante todo una manera de ser hombre, una manera de ser español, mejor dicho, la manera de ser español en el siglo XX, en las circunstancias del siglo XX. Excelentísimo señor don Lucas María Oriol Urquijo, Grand Croix du Mérite Civil, Médaille de la Croisade Nacional, Commandeur de l'Ordre de Cisneros, Commandeur de l'Ordre d'Isabelle la Catholique, Médaille de la Province d'Álava, membre de la confrérie des sous-lieutenants de réserve, ex-président européen de l'Association des anciens élèves des révérends pères jésuites, membre de l'Académie de jurisprudence, conseiller national du mouvement par désignation du chef de l'État, président-directeur général de Valka, société de produits photographiques, vice-président des chemins de fer Talgo, administrateur, entre autres sociétés, de Hidroeléctrica Española, société anonyme, exploitant agricole et éleveur de taureaux en Extremadour. Acabo de quitarme nuestra gloriosa y emocionante boina roja con la cual he combatido desde el 19 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939. Yo me incorporé al alzamiento en Vitoria y allí me encargaron que dijese por la radio cuáles eran los motivos por los que acudíamos a las armas. Yo dije, nos levantamos para recuperar el derecho a sonreír y a confiar. Yo no puedo dar una fórmula, pero sí creo que puedo mantener un criterio que se basa en la fe en Dios, en la fe en mis semejantes, en la fe en nosotros mismos. Si perdemos la fe, si perdemos la sonrisa, si perdemos la amistad, señores, lo que estamos perdiendo es el tiempo. Nada más. L'Italie fasciste se réjouit de la victoire de Franco. Rome, 28 mars 1939. Alors que la geste héroïque des valeureuses forces nationales est couronnée par la victoire, je voudrais exprimer à votre excellence, qui en est l'âme et le guide, l'expression de mon admiration et celle de tous les Italiens qui, avec moi, saluent dans la renaissance de la grande nation amie le triomphe de la justice et de la civilisation. Berlin. À l'occasion de l'entrée des troupes espagnoles à Madrid, je vous envoie mes chaleureuses félicitations. L'Espagne nationale vient d'obtenir la victoire définitive sur le bolchevisme, cet agent de destruction des peuples. L'Allemagne salue avec moi vos troupes magnifiques et en vous exprimant ici mon enthousiasme, j'ai la certitude qu'en Espagne se lève l'aube d'un renouveau qui justifiera les sacrifices et les efforts réalisés. Adolf Hitler. C'est avec une joie immense que nous nous tournons vers vous, très cher fils de la catholique Espagne, pour vous exprimer nos félicitations paternelles
en raison du don de la paix et de la victoire dont Dieu a daigné couronner l'héroïsme de votre foi et de votre charité, prouvée par tant de généreuses souffrances. Pie XII. La propaganda del grupo vencedor frente al interior y al exterior, tratando de presentar la guerra civil como una cruzada religioso-ideológica en la que realmente se estaba luchando por la soberanía de España contra potencias extranjeras o se estaba luchando contra cualquier ideología disgregadora, fue poco a poco quedando perfectamente aclarada en su manipulación y el pueblo y el exterior empezaron a tomar conciencia que detrás de esas fuerzas fascistas como la Falange o integristas y reaccionarias como el tradicionalismo y detrás de ese movimiento conservador cristiano autoritario de la CEDA no había más que una burguesía, en muchos casos contraria a su propia esencia nacional, como ocurrió con la Lliga Catalana y con un sector importante del empresariado vasco, y todo un conjunto de terratenientes castellanos y andaluces que de verdad venían a aclarar que esa guerra civil no era una guerra ideológica, sino era una auténtica guerra de clases entre explotadores y explotados. L'État nouveau va s'appuyer sur deux colonnes dont l'efficacité a déjà été largement prouvée par d'autres régimes et institutions. À savoir la répression pour décourager les oppositions et le cérémonial à la fois religieux et nationaliste pour endoctriner un peuple vaincu et fatigué. Madrid era en aquellos días, en aquellos meses, en aquellos años, contaba con un número de cárceles enormes. San Antón, Santa Engracia, El Barco, Conde de Toreno, Comendadoras, Santa Rita, Carabanchel, Yeserías, Unamuno. Decenas de miles, centenares de miles en todo el país estaban en las cárceles y muy pronto los pelotones de ejecución empezaron a funcionar con una frecuencia aterradora. En una cárcel como la de Porlier, en Madrid, había normalmente unos 1000 condenados a muerte, los cuales estaban todos ellos en una nave inmensa. El tráfico era continuo. Unos salían para los pelotones de ejecución, otros salían conmutados de la pena de muerte, otros entraban condenados a la misma pena que entonces llamaban la pepa. Tenía tan poco valor la vida del hombre en aquella situación que casi los presos mismos, los condenados a muerte, hacían humor negro con ella. Y en la cárcel de Porlier crearon una canción que llamaban La Pepa con música de Chotis y que en más de una ocasión, cuando los 1000 presos la cantaban a coro, los condenados a muerte, llegó al rastrillo por la parte de fuera el ordenanza de los funcionarios diciendo esta noche hay saca, y la voz de saca, 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 iba avanzando a lo largo de la sala hasta el fondo e iba estableciendo como un manto de silencio entre todos los que estaban cantando, porque nadie sabía de todos ellos a cuál o a cuáles les correspondería salir aquella noche. El Ministerio de Justicia pidió sacerdotes voluntarios que quisieran hacer el tremendo y doloroso ministerio de asistir a los condenados a muerte en Madrid. Yo fui de los voluntarios, que fuimos poquísimos,
y hoy soy el único sacerdote superviviente de aquellos dos primeros años en los que se hizo no la represión, sino la justicia. Asistí aproximadamente a 1 millar de condenados a muerte en su última noche y en el momento de la ejecución. Tuve una sensación tristísima para mí de ver que del 1 millar de condenados a muerte, en el momento de la ejecución, aproximadamente 700 gritaron y murieron gritando «¡Viva Rusia soviética!». Algunos gritaron «¡Viva el comunismo! ¡Viva el socialismo! ¡Un solo viva la República!» y algunos gritaron «¡Viva Cristo Rey!». Esos 2 años cambiaron en gran parte mi vida y la opinión que yo tenía de los españoles. Nunca hubiera creído que hubiera una minoría de españoles que hubieran abandonado totalmente la fe, que lo hubieran perdido, y que no solamente lo hubieran perdido, sino que estaban decididos a hacerla perder a todos los españoles. Esa experiencia me ha servido mucho en la vida. Les statistiques officielles sont très discrètes sur le nombre des exécutions qui ont suivi la guerre. Cependant, des auteurs aussi divers que l'américain Jackson, l'anglais Thomas, le français Gallo et l'espagnol Tamames s'accordent sur le chiffre de 200 000 fusillés au cours de la période allant de 1939 à 1943. Le comte Ciano, ministre des Affaires étrangères de Mussolini, visite Madrid en ami et allié de Franco pendant le mois de juillet 1939. Les informations qu'il donne confirment les estimations qui précèdent. D'après Ciano, on enregistrait au cours du mois de juillet 1939 à Madrid de 200 à 250 exécutions par jour, à Barcelone 150, à Séville 80. Madrid, Barcelone et Séville ne sont qu'une partie de l'Espagne et le bilan ne s'arrête pas là. D'après les chiffres fournis par le ministère de la Justice espagnole, on peut évaluer à 211 000 le nombre des détenus politiques dans les prisons de l'État franquiste en 1940. Par la suite, ce nombre diminue d'année en année pour descendre à 19 000 en 1950, 11 ans après la fin de la guerre. Pendant toutes ces années, pour éviter l'oubli, la Radio Nationale d'Espagne répétait tous les soirs la prière aux morts. Mucho tiempo los muros de las iglesias de España fueron utilizados por el ejército nacionalista para la propaganda política, llenándolos de inscripciones como esta alusiva a don José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, que murió fusilado en los primeros años de la guerra civil, en los primeros momentos de la guerra civil. Poco a poco el tiempo ha ido desgastando estas inscripciones. Incluso las inscripciones que se refieren al señor Primo de Rivera, que se convirtió en un mito que fue exagerado, cuya mitología hubiera quizás disgustado al propio don José Antonio Primo de Rivera, mitología que culminó quizá en el traslado de su cadáver desde el lugar en donde fue ejecutado hasta el panteón del Escorial. Ese impresionante entierro de José Antonio, que murió fusilado en Alicante, a 500 kilómetros del Escorial, y que a hombros de los camaradas y también de todo el pueblo español recorrió en una procesión ininterrumpida de 10 días esos 500 kilómetros para ser enterrado como un rey entre los reyes de España.
Le 20 novembre 1939, le cortège funèbre part d'Alicante pour atteindre l'Escurial 10 jours plus tard. Les phalangistes représentant les 50 départements de l'Espagne ont l'honneur de porter sur leurs propres épaules pendant 480 km la dépouille de leur fondateur. On fusille des ennemis vaincus. À Alicante, écrit Ferrandi Albot dans les temps modernes, dès le départ du cortège, un groupe de condamnés ont été assassinés. Et il en est de même dans chaque localité située dans le passage du cortège. Le 20 novembre de l'anniversaire de la mort de M. Primo de Rivera est devenue l'occasion pour les militants d'affirmer leur fidélité à la Falange. Des anciens camarades sont au rendez-vous, ainsi que le chef de l'État. Celui-ci devait décéder lui aussi un 20 novembre, 39 ans jour pour jour après la mort du fondateur de la Falange. L'agonie du caudillo avait duré plus d'un mois grâce à une curieuse performance des médecins. L'Espagne avait fait l'économie d'un jour férié pour les années à venir. Et les gens simples pouvaient voir dans cette coïncidence de date une nouvelle preuve du parfait accord entre l'État franquiste et la Providence. Mais le corps de José Antonio ne devait pas rester à l'Escurial. Il était destiné à une autre sépulture grandiose. Le monument national de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Il était normal qu'un régime obsédé par la mort, celle qui sert et celle qui l'honore, élevât un mausolée colossal et cyclopéen pour rassembler autour du fondateur de la phalange les restes de quelques 600 000 caídos tombés dans les deux camps au cours de la guerre civile. Des familles, aussi bien dans le camp nationaliste que dans le camp républicain, ont décliné l'honneur de remettre leurs morts. Et cette entreprise dérisoire de réconciliation nationale s'est soldée par un échec. Es un monumento que difícilmente podrá integrarse en la mentalidad española como un símbolo de esperanza o simplemente como un testimonio histórico o un estímulo de futuro. El monumento se hizo en situación de penuria casi absoluta, cuando las enormes sumas de dinero que se emplearon en él podían haberse aplicado para salvar miles de vidas humanas. Se carecía de lo imprescindible, de alimentos, de pan, de ropa. La población infantil moría, la población adulta pasaba por enormes sacrificios. Pero no es eso solo. Es difícil que se integre, porque los españoles recordarán sin odio, sin ningún vestigio de rencor, pero recordarán que el monumento se hizo con el enorme sacrificio de muchas vidas humanas, de las vidas humanas de los prisioneros de guerra que estuvieron trabajando en este monumento y que morían con frecuencia de privaciones, de explosiones. Se sacrificaron vencidos simplemente para hacer testimonio de una dudosa grandeza de los vencedores. C'est pour la première fois que le Führer et le Caudillo se sont rencontrés. Italie, à Bordighera, au bord de la Méditerranée,
le Duce a eu d'importantes conversations avec le général Franco, qui était accompagné dans son voyage par M. Serrano Suñer, ministre des Affaires étrangères d'Espagne. La participation de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste dans la victoire a pour conséquence logique l'alignement de la politique étrangère espagnole sur celle de l'Axe. Cette politique s'incarne jusqu'en septembre 1942 dans le beau-frère du Caudillo, Ramón Serrano Suñer. Accueilli par une foule qui l'acclame avec sa ferveur et sa foi retrouvée, le maréchal salue du balcon de la préfecture l'arrivée du Caudillo qui, à compte de M. Serrano Suñer, ministre des Affaires étrangères et de sa suite, revient de l'entrevue qu'il a eue à Bordighera avec M. Mussolini. Dans les salons de la préfecture, un déjeuner officiel devait réunir les deux chefs d'État. La France et l'Espagne se retrouvent confiantes et amicales. Les anciens liens se renouent. Qu'on n'oublie pas que l'Espagne accepta de servir d'intermédiaire entre la France et l'Allemagne au moment de l'armistice. Des conversations devaient suivre ce déjeuner, conversations qui marquent aujourd'hui déjà la place que reprend la France au milieu de l'Europe. Cette place dont cette rencontre d'hommes d'État affirme l'importance, la France la doit au maréchal. Il a été le rassembleur des énergies françaises, celui qui rallie autour d'un drapeau, autour d'un visage, tous les fils d'une même nation. Et c'est ce qu'a voulu reconnaître l'Espagne quand, au moment du départ, M. Serrano Suñer, parlant au nom de son chef et au nom de son pays, a dit sous les acclamations de la foule française, « Vive la France, monsieur le maréchal !» Ce fut la dernière sortie de Franco. Depuis, tous ces déplacements ont eu lieu, sans doute par prudence, à l'intérieur du territoire national, à l'exception de quelques entretiens avec son ami Oliveira Salazar, à la frontière hispano-portugaise. Y entonces existen una porción de presiones dentro de nuestra propia política que empujan a que España tomara posiciones más activamente y más estrechamente asociadas con el Eje. Esas presiones venían de muchos sitios, tenían su origen en núcleos militares, en núcleos políticos, en núcleos ideológicos, digamos que en núcleos económicos también. Pero a lo largo de esa guerra mundial, España, después de la entrevista de Hendaya, toma una actitud de inhibición activa en lo que podríamos llamar participar en la contienda, pretextando unas motivaciones que en parte eran ciertas, la falta de preparación militar, el agotamiento en que se había encontrado el país, la ausencia de primeras materias, la penuria alimenticia, etcétera, que le impedían ser un beligerante activo en la contienda del lado del Eje. Después se produce la declaración de la guerra alemana contra Rusia. Y eso es de alguna manera aprovechado por nuestra política exterior de esos años para hacer una presencia simbólica de España del lado del Eje, pero limitada a luchar contra lo que se consideraba el exponente del comunismo en la forma de Estado ruso o Estado soviético. Y allí fue la División Española de Voluntarios, pero sin romper de ninguna manera los vínculos diplomáticos que España mantenía con Inglaterra y concretamente con Estados Unidos, que ya empezaba a ser cada vez más importante como pieza que había de jugar definitivamente en el tablero mundial. Sur le front de l'Est, le lieutenant général Muñoz Grande, commandant en chef de la division bleue espagnole, arrive au quartier général allemand où il va être reçu par le Führer. Arrivé à Irún d'un train amenant en permission
1300 légionnaires espagnols de la Division Bleue, qui fut cité plusieurs fois au communiqué allemand pour sa grande bravoure dans la lutte que mènent les armées européennes contre le bolchevisme et pour l'édification de la nouvelle Europe. À Madrid, un accueil délirant leur était réservé. Pavoisée aux couleurs sang et or de la Nouvelle-Espagne. La division bleue a recruté ses volontaires à partir du 27 juin 1941. Le 7 décembre de la même année, Franco déclare : si un jour Berlin était en péril, ce ne serait pas une division de volontaires, mais 1 million d'hommes qu'enverrait l'Espagne pour le défendre. Mais le 3 novembre 1943, Franco retire la division bleue du front de l'Est. En effet, les événements internationaux l'ont dépassé. L'intuition de Franco, son flair légendaire, n'est qu'un mythe. Franco a toujours changé sa politique au gré de l'événement. Novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Deux mois après, Franco refuse l'envoi de 50 000 travailleurs espagnols en Allemagne. 10 juillet 1943, débarquement allié en Sicile. Le 25 janvier de l'année suivante, Franco refuse de reconnaître la République sociale italienne créée par son ami Mussolini, repliée à Salo. 6 juin 1944, débarquement en Normandie. 3 novembre de la même année, Franco déclare : jamais l'Espagne n'a été fasciste ou nazie. Mai 1945. L'Allemagne capitule sans condition. Pierre Laval, président du Conseil de ministres de Pétain, se réfugie en Espagne. Mais son séjour ne dure que 3 mois. Le 30 juillet 1945, les autorités espagnoles livrent Pierre Laval aux Alliés. Plus tard, il sera fusillé. Par contre, Léon de Grelle, chef des fascistes belges, bénéficie d'une hospitalité prolongée en Espagne. Il est vrai que la Belgique est loin et ses colères sont moins redoutables que celles de la France récemment libérée. 11 avril 1945. Franco tire pour texte une attaque japonaise contre une institution catholique aux Philippines pour rompre les relations diplomatiques avec le Japon, allié de l'Allemagne. 1945. La première bombe atomique est lancée sur le Japon. Après un mois de réflexion, par décret, le salut fasciste n'est plus obligatoire en Espagne. Stalin exigió de sus compañeros y aliados el que España fuera de alguna manera sometida a una especie de lazareto internacional con ruptura de relaciones. Esa petición de Stalin, que estaba formulada de una manera drástica y digamos brutal, en el sentido de pedir la desaparición del régimen, la salida del general Franco y el que España se entregara a un gobierno provisional, no fue aceptada ni por Truman ni por Attlee. En la mesa de Potsdam estaba ya presente, de alguna manera, la Guerra Fría. Y entonces, a partir de ese momento, la política exterior de España trató de abrirse paso contra ese veto colectivo que hizo que la mayoría de los países, por no decir la unanimidad menos tres, retiraran sus jefes de misión diplomática de Madrid. En effet, malgré la souplesse de la politique internationale de Franco, les Nations Unies refusèrent d'admettre l'Espagne dans leur sein. Le 9 février 1946, l'Assemblée générale condamne le régime franquiste. Le 13 décembre de la même année, elle vote une résolution recommandant le retrait des ambassadeuls accrédités en Espagne. Seuls restent en poste à Madrid
les représentants du Vatican, du Portugal, de la Suisse et de 12 autres pays arabes et latino-américains. Le dernier régime fasciste européen paraît bien compromis. Il semble que se préparent enfin les événements décisifs qui ramèneront l'Espagne au nombre des démocraties. C'est aussitôt après l'exécution sommaire de 16 républicains espagnols que le gouvernement français décida la fermeture de la frontière des Pyrénées. Le Pertus semble mort. Dans ce village où un seul côté de la rue est français, le douanier espagnol va voir son pernod d'avant-guerre, d'avant l'autre guerre, dans une boutique où le portrait de Franco regarde juste en face le portrait du général de Gaulle, défi peut-être. D'Andaille à Cerbère, une barrière étendue. Seul maintenant le vent peut passer, ce vent qui sera peut-être le vent de la liberté. Todos los regímenes fascistas han tenido un lugar que era en cierto modo el símbolo de la identificación del dictador con la masa. Este papel ha correspondido en la historia contemporánea de España a la Plaza de Oriente en la que estamos situados. Sobre todo en los momentos de coacción exterior, cuando las potencias pretendían que el general Franco cambiase su política en el sentido de darle una orientación menos totalitaria, más adecuada a las conveniencias internacionales, el general procuraba por todos los medios hacer patente que el pueblo español estaba identificado con él. Y los aparatos de propaganda, bien dirigidos, con la experiencia europea, alemana e italiana, más la técnica americana en muchos casos, hacían un esfuerzo colosal por realizar esta identificación. Pour rassembler de telles foules, le régime chaque fois n'a pas lésiné sur les moyens. Employés, ouvriers, étudiants ont eu congé pour venir témoigner à Madrid de leur adhésion au régime. Les manifestants de province ont été transportés et ont eu droit à des distributions de nourriture gratuites. Policiers et militaires ont été mobilisés et civils. Il est pourtant indéniable qu'un travail psychologique efficace a été réalisé grâce à un effort de propagande parfaitement mis au point. L'exaltation, notamment, du nationalisme s'est avérée une fois de plus payante. D'autre part, les arguments officiels ont amené une partie de l'opinion à accepter comme une fatalité historique que le peuple espagnol est un peuple mineur, incapable de choisir son destin politique. Il devra donc définitivement se soumettre à un père sévère qui l'empêchera de courir à sa perte. Toute tentative d'action collective. Un certain scepticisme s'est emparé des esprits. Pourquoi me battrais-je pour les autres, avec les autres, si je peux devenir un toréador milliardaire, un footballeur vedette, ou gagner le gros lot à la loterie? La société franquiste a su donner des réponses à toutes sortes de questions angoissantes. Il suffit d'avoir un peu de chance pour que tout s'arrange. Si la chance vous suit, c'est parce que vous ne la méritez pas. Il ne vous reste plus qu'à vous taire, ravaler votre honte devant cette punition du ciel. Dans cette Espagne, il faut compter davantage sur la justice divine que sur la justice tout court.
importante es saber y pensar que lo que suceda no tendrá más remedio que contar con esa conciencia que ha creado la Falange en los españoles. Sépanlo o no, esa especie de segunda naturaleza o de inconsciente colectivo que es realmente lo que le da importancia a la Falange hacia el futuro y le da un inmenso y extraordinario progreso. En juin 1947, la visite d'Eva Perón donne lieu à l'un de ces spectacles à grande mise en scène qui ont ponctué la vie politique espagnole chaque fois que Franco a eu besoin de sensibiliser l'opinion publique en sa faveur. L'Espagne, du fait de son régime, est isolée. Un des rares pays qui maintient avec elle des relations cordiales est l'Argentine de Perón. L'Argentine fournit du blé destiné au peuple espagnol. Este trigo no llegaba jamás a la población. Los propios barcos, una vez descargados en nuestras fronteras, eran objeto de reexportación clandestina hacia otros lugares, con la especulación más flagrante, con el hambre de toda una población que en aquellos momentos pasaba situaciones bien penosas. Para tratar de explicar esa defraudación de ingentes cantidades de barcos y de pan, se hizo cargar con la responsabilidad de la desaparición de todos estos productos a un consorcio de panaderos establecido fundamentalmente en Madrid y que tenía por misión la distribución de la harina a las taonas. ¿De qué grado sería la injusticia que se cometía al tratar de ocultar quiénes eran los verdaderos responsables? Nos puede dar muestra el que después de haber pasado muchos de ellos hasta 6, 7 y 8 años en la cárcel, condenados por la correspondiente audiencia de Madrid y confirmada la pena por el Tribunal Supremo, posteriormente, y cuando ya estaba perfectamente garantizado el silencio que no iba a afectar a las figuras de la política nacional, mediante decreto de la jefatura del Estado, no solo fueron exonerados de toda responsabilidad, sino que incluso fueron repuestos en sus cargos administrativos con el abono de toda clase de haberes que habían dejado de percibir. Situación poco comprensible para unas personas que fueron presentadas ante la opinión pública como los responsables de todas las carencias que en aquella época existían. Une des rares occasions où le gouvernement n'a pas pu empêcher la corruption d'éclater au grand jour, c'est lors de la fameuse affaire Matesa en 1969. Monsieur Villarreyes, son président directeur général, avait obtenu, avec l'aide de personnalités de premier plan du régime, entre 8 et 10 milliards de pesetas de crédit afin de promouvoir l'exportation d'un métier à tisser. Les milliards sont détournés, Monsieur Villarreyes condamné, mais une grande partie de la vérité sur cette affaire demeure occultée. La presión exterior, las circunstancias de la clase dirigente española, un sector amplio de la cual se llamaba monárquico, aconsejaron al general Franco iniciar un camino que había de resultar efectivo y que continuaría por el transcurso de muchos años. Dictar leyes con cierta apariencia democrática, pero cuyo fondo era absolutamente autoritario y respondía a su política de oportunismo. Una de estas leyes fue la llamada Ley de Sucesión, la más definida dentro de las características que acabo de describir. En la Ley de Sucesión se precisa el armazón institucional del régimen. Se determina el Consejo del Reino, el Consejo de Regencia, y sobre todo, ¿qué habría de suceder si el propio general Franco, que ostentaba la condición de jefe del Estado, moría o caía enfermo de tal manera que quedase vacante la jefatura? Esta ley decidía que una persona de estirpe real sucedería al general Franco, imponiendo como condiciones básicas la de no poder acceder al trono hasta cumplir los 30 años y, sobre todo, la de haber de ser designado por el propio jefe del Estado. Con esto, la política del régimen se establecía sobre unas bases aparentemente sólidas. Existía un sistema institucional de continuidad y, según este sistema institucional de continuidad, la propaganda oficial podía decir a los españoles dormir tranquilos. El futuro está asegurado. El
Le 6 juillet 1947 a lieu le référendum sur la loi de succession. Le résultat est connu d'avance, le gouvernement ayant pris, comme il le fera par la suite, les dispositions nécessaires pour transformer ces consultations populaires en plébiscites. C'est ainsi que toute manifestation en faveur du non est interdite. L'abstention est rendue pratiquement impossible. Les cartes de ravitaillement sans le cachet du bureau de vote seront invalidées. Les fonctionnaires qui ne voteront pas sont menacés de ne pas être payés. Il en est de même pour les employés et ouvriers de certaines entreprises. Des évêques demandent à leurs prêtres de refuser l'absolution en cas de vote négatif. Les bulletins sont remplis à l'avance. Les urnes sont transparentes. Sur 17 millions d'électeurs, 14 millions votèrent oui et 700 000 non. On décompta 330 000 bulletins nuls. Seuls les partisans du régime avaient participé au dépouillement. La loi de succession fut proclamée. Une telle victoire sert de prétexte aux puissances occidentales, préoccupées par le développement de la guerre froide, pour modifier leur attitude vis-à-vis du gouvernement espagnol. Le 10 février 1948, la frontière française est à nouveau ouverte. Le 30 mars, à Washington, la Chambre des représentants propose d'étendre à l'Espagne l'aide du plan Marshall. Pour Franco, la fin du tunnel est proche. Les États-Unis l'assistent par tous les moyens. Des Américains prestigieux, Gary Cooper, le cardinal Spellman, Orson Welles, Ernest Hemingway se rendent volontiers en Espagne et Ava Gardner décide de s'y fixer. Ils montrent ainsi, en toute innocence au reste du monde, que le régime espagnol n'est pas si mal que ça. L'escadre américaine à son tour visite les Baléares en 1950. Les marins américains, peu rancuniers, ont oublié le télégramme adressé par Franco le 8 novembre 1941 à l'empereur du Japon pour le féliciter d'avoir fait envoyer par le fond les plus beaux de leurs navires à Pearl Harbor. Le 26 juin 1950 éclate le conflit de Corée. Le 4 novembre, les Nations Unies annulent leur résolution contre l'Espagne et dès le mois de mars 1951, les ambassadeurs occidentaux retournent à Madrid. Franco n'a-t-il pas amplement prouvé qu'il était un défenseur exemplaire du monde libre? Joaquín Ruiz Jiménez, ancien ambassadeur auprès du Saint-Siège, ancien ministre de l'Éducation nationale et actuellement leader de l'opposition démocrate chrétienne, est décoré par le Vatican en 1953. Había por una parte en Pío XII una preocupación grande respecto a las instituciones políticas existentes y por otro lado una cierta gratitud hacia el jefe del Estado español por lo que había hecho para lo que llamaríamos la reconstrucción material y las ayudas a la Iglesia Católica Española después de la Guerra Civil. Pero existía un problema mayor, que era la renovación de negociaciones sobre el concordato. El concordato del 1851 había quedado roto durante la época de la República. Y a partir de la Guerra Civil se iniciaron una serie de negociaciones que llamaríamos parciales, fragmentarias. El entonces ministro de Asuntos Exteriores, don Ramón Serrano Suñer, firmó con su santidad Pío XII en 1941 el ya famoso modus vivendi para la designación de los obispos. Le gouvernement espagnol se réservait le droit, dans la nomination des évêques, de présenter à Rome une liste de 6 noms, sur laquelle le Saint-Siège en retenait 3. Il appartenait au caudillo de désigner parmi eux celui du titulaire définitif. Les évêques espagnols prêtent le serment suivant. Devant Dieu et les évangiles, je jure et je promets, comme il appartient à un évêque, fidélité à l'État espagnol. Je jure et je promets de respecter et de faire que mon clergé respecte le chef de l'État espagnol et le gouvernement établi selon les lois espagnoles.
Je jure et je promets en outre de ne prendre part à aucun accord ni d'assister à aucune réunion qui puisse porter préjudice à l'État espagnol et à l'ordre public et que je ferai observer à mon clergé une conduite semblable. Soucieux du bien et de l'intérêt de l'État espagnol, je m'attacherai à éviter tout mal qui pourrait le menacer. A mitad del año 1950, nótese que el año 1950 fue un año de apoteosis en Roma, fue año santo, todavía Pío XII estaba en plenitud de vigor, con una gran claridad de mente, y en ese instante se desbordaron las peregrinaciones españolas sobre Roma. Y eso causó un gran impacto sobre el Papa, sobre todo aquellos gritos de los peregrinos españoles, España por el Papa, etcétera, le originaron a él una cierta situación de afecto y de deseo de tener algún gesto de correspondencia. Lo cierto es que a mitad del año 1950 yo ya vi que era posible formalizar una negociación concordataria. Reelaboramos el texto que habíamos preparado y en abril de 1951 solicité ya audiencia con el Santo Padre después de mis entrevistas con los miembros de la Secretaría de Estado, con el Monseñor Tardini, Monseñor Montini, y recibida por el Papa en audiencia, le llevé el proyecto de texto de concordato tal como había sido preparado por el gobierno español. Il fallut cependant attendre le 27 août 1953 pour qu'un nouveau concordat fût signé. L'Église obtenait de multiples privilèges, financiers, fiscaux et juridictionnels. Si elle exerçait un contrôle affirmé sur la jeunesse et l'enseignement, elle devait en échange accorder des contreparties importantes au pouvoir politique. Notamment, les règles de désignation des évêques sont toujours en vigueur. Et entonces, en 1953-54, tiene lugar esa gran negociación que da lugar al primer acuerdo de bases entre España y Estados Unidos. Y yo fui el embajador designado para ir a Washington. Y allí durante seis años, la etapa de la administración de Eisenhower en su mayor parte, fui el encargado de sacar a esa serie de acuerdos hispano-norteamericanos, cuyo fundamento era el arriendo de las bases militares, el mayor número de ventajas políticas, pero sobre todo económicas, para mi país. Entonces, como testigo presencial de esa época, puedo decir que efectivamente el instrumento de esos acuerdos que dieron lugar a un acercamiento de España con Estados Unidos fue el obtener para nosotros, en esos años difíciles de penuria, en los que no teníamos divisas, en los que no teníamos prácticamente ni siquiera alimentos en cantidad suficiente y, por supuesto, primeras materias y material industrial en una carencia casi absoluta, y yo conseguí en esos seis años, en una cierta contrapartida general de esos acuerdos de arrendamiento de bases militares, una cifra superior a los 1.750 millones de dólares, que entonces eran bastante dinero, pero sobre todo en nuestra economía, que estaba tan falta de medios de toda clase, esos 1.750 millones de dólares fueron como las vitaminas que se da a un enfermo hambriento. Aunque son pequeñas en cantidad, son eficaces en resultado. Después yo creo que a partir de ese momento se produjo la normalización general de España con el occidente, que siguió el camino que había seguido Washington. Il faisait froid. On jouait dans la cour de l'école, comme nous avons entendu un tambour. Le maître nous a dit que deux avions de sous-marins se sont couchés, alors qu'ils se trouvaient tous les deux très haut dans le ciel. Un des deux portait des bombes, de celles qu'on dit atomiques. L'autre était plein d'essence. Les deux avions ont explosé et les bombes sont tombées. Deux sont tombées dans les champs près du village. Des camions américains sont venus les ramasser tout de suite. On disait ici que la terre allait être empoisonnée. Aussi, les Américains sont venus avec d'autres camions. Ils ont enlevé la terre des champs empoisonnés
et l'ont enfermé dans des barriques de fer. On dit qu'après, ils ont jeté les barriques au fond de la mer. Mais dans la mer, il y avait encore une bombe tombée de l'avion. On l'a cherchée pendant des jours et des nuits, avec des bateaux, des avions, des monsieur grenouilles. On disait que la mer était empoisonnée. Alors des messieurs bien habillés sont venus, un américain et un espagnol. Il paraît que l'un était ambassadeur et l'autre ministre. Ils se sont mis en maillot de bain et se sont baignés dans la mer pour que les gens voient qu'ils n'avaient pas de bouton en sortant et que tout le monde pouvait se baigner. Il y avait plein de photographes et dans les journaux, on a mis que tout le monde pouvait venir en vacances tranquille. Et la bombe perdue était toujours au fond de la mer, prête à exploser. Enfin, un pêcheur de chez nous a fini par l'apercevoir sur le sable et dans l'eau. Elle n'avait pas éclaté. Les Américains ont sorti la bombe de l'eau avec beaucoup de précaution. Ici, tout le monde a été soulagé parce qu'on a eu très peur pendant ces trois mois où on a cherché la bombe dans la mer. Le pêcheur qui l'avait trouvé a été invité au palais de Madrid par le monsieur qui était venu se baigner dans la mer. Les Américains, après avoir retrouvé la bombe perdue, sont rentrés heureux aux États-Unis, mais ils n'ont pas oublié le pêcheur espagnol qui le premier repéra la bombe au large de Palomares. L'ambassadeur des États-Unis en Espagne a payé le voyage Palomares-Madrid à Francisco Simo Hortz, qui maintenant est titulaire d'un diplôme et d'une médaille américaine, ainsi que de plusieurs centaines de dollars. Ici, on disait que c'était pas beaucoup pour quelqu'un de chez nous qui avait sauvé la vie de tant de gens. Mais enfin, tout le monde était soulagé. Et à la ville, il y avait un grand bal de bienfaisance, comme on dit, avec des messieurs bien habillés et des belles princesses. Il y avait l'empereur de Monaco et la reine des États-Unis. Le pêcheur n'y était pas, c'est dommage. Maintenant, au village, on ne croit plus au Père Noël. Cuando en julio de 1951 recibí la llamada de Madrid para abandonar la embajada y ocupar el ministerio, comprendí que entraba todavía en una tarea más difícil. Les craintes de Ruiz Jiménez devaient se confirmer. Son libéralisme, pourtant bien modéré, s'avère incapable de faire évoluer le régime. Autorizamos a que Dionisio Ridruejo y una serie de gentes jóvenes prepararan el Congreso de escritores jóvenes, así se llamó, que iba a tener lugar en los meses de febrero a marzo de 1956. Aquello ya fue la chispa que hizo estallar la bomba, es decir, fue como un catalizador. Todos los elementos más reaccionarios se confabularon contra nosotros. Hubo la mala suerte de un incidente en la calle en que un muchacho del Frente de Juventudes pues fue herido, se acusó de esto a los universitarios, hubo un intento de invasión de la universidad, de la Facultad de Derecho especialmente, yo me opuse, nos opusimos el rector, mi director general de enseñanza universitaria, yo mismo, a que entrara la fuerza pública en la universidad y aquello motivó la crisis de febrero de 1956 y mi salida del gobierno. La represión fue brutal, las detenciones de los estudiantes en algunos momentos llegaron a suponer una concentración de más de 350 estudiantes en la Dirección General de Seguridad y en los juzgados de guardia. En aquella época no existía el hábil juego represivo que se creó después con la Ley de Orden Público, pero pese a ello se produjeron numerosas condenas y tanto estudiantes como un cierto elenco de profesorado bastante destacado fueron a dar con sus huesos en las prisiones, siendo en aquella época tan constante como hasta nuestra fecha la tortura, aunque realmente no había los mecanismos que hay hoy para denunciarla o para combatirla. Me encuentro otra vez aquí en la Universidad de Salamanca. Vuelvo ahora, después de años de salir expulsado de la universidad por mis ideas liberales, democráticas, y por qué no decirlo todo, también por mis ideas socialistas. Bien es cierto que mientras estuve en la Universidad de Salamanca,
mi seminario, mis alumnos, las publicaciones, fueron un modelo de objetividad científica y en ningún caso lo utilizamos para hacer propaganda a costa de la propia universidad de ideas parciales, de ideas de partido. Estuvimos exponiendo las ideas de la libertad en general, de la libertad cívica, del Estado de Derecho, de lo que debía ser España realmente construida sobre supuestos de libertad, de garantía, la España de Europa. Y por defender la España de Europa, por fundar aquí una sociedad europeísta, por intentar que España saliese de la rigidez totalitaria, fui expulsado de la universidad en compañía de otros profesores que no eran de esta, que eran de Madrid, de García Calvo, de Aranguren. Algunos se adhirieron y salieron con nosotros, como en el caso de Valverde o de Federico Gaeta. El tiempo pasado ha sido un tiempo fructífero. La expulsión fue fructífera. La propia persecución es fructífera. Qué cierto es ese lugar común que dice que el camino de la libertad pasa sobre víctimas. En esta Universidad de Salamanca, 18 años después de que el general Millán Astray gritase "muera la inteligencia" con motivo de una conferencia de don Miguel de Unamuno, su compañero de armas, entonces jefe del Estado español, Francisco Franco, fue investido doctor honoris causa, aquí mismo, en la Universidad de Salamanca. Se trató de una investidura política, es cierto, pero aún dentro de este marco hay que admitir que fue una imposición estatal. Cuando se discutió en la Junta de la Facultad de Derecho si se investía o no al entonces jefe del Estado, hubo votos en contra. Un hecho sorprendente en sí mismo y que indica el clima de disgusto que en el seno de la facultad y de la universidad había. Yo no he tenido ocasión de ir a la universidad, o mejor dicho, he tenido una universidad especial, que ha sido la prisión de Burgos, donde he pasado los mejores años de mi vida. Yo soy hijo de unos campesinos sin tierra, de un pueblecito pequeño de la provincia de Salamanca. Y primero porque mi origen social en aquellos años no me hubieran podido permitir el lujo de asistir a una universidad, y después porque fui detenido cuando mi juventud nacía, a los 17 años de edad, al fin de la guerra civil. Yo conseguí salir en libertad en 1962, después de haber pasado 23 años consecutivos de cautiverio, y yo creo que entonces comenzaron mis verdaderos problemas. Como yo recorro constantemente el mundo llevando este testimonio de mis compañeros encarcelados, las gentes con frecuencia me preguntan, ¿qué ha sido lo más duro para usted? Los largos años de prisión, la tortura cuyas marcas llevo en el rostro y las llevaré ya para siempre, los años que estuvo condenado a muerte, y yo le respondo con lo más sorprendente. Lo más duro para mí ha sido la libertad. Y en efecto, yo después de 23 años de cárcel, 23 años tiene 9.000 días y 9.000 noches, yo estaba acostumbrado a vivir en la cárcel. Era como una piedra más de aquella prisión, lo que no estaba facultado para vivir como un hombre libre. Y por eso, cuando comenzaron mis verdaderos problemas, fue cuando se cerraron detrás de mí las puertas de la prisión, me encontré en un mundo inhóspito, desamparado, como si me hubieran parachutado en un planeta extraño, y tuve que comenzar a vivir a los 40 años de edad. Es decir, yo he nacido a los 40 años, y eso es tremendo, aunque sea también hermoso. Así pues, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se haya estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr de los últimos 20 años ha sido perfectamente preparada para la alta misión a que podía ser llamado. Y por otra parte, al reunir las condiciones que determina el artículo 11 de la ley de sucesión entre la jefatura del Estado, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hicierais, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. A continuación, el príncipe don Juan Carlos dijo: Señores ministros, señores procuradores,
plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar como sucesor a título de rey lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Les procureurs de Cortés sont visiblement très satisfaits de ce serment de fidélité inconditionnelle de Juan Carlos au principe de l'État franquiste. Comment le dernier héritier du roi d'Espagne a-t-il pu en arriver là? Don Juan de Bourbon et Battenberg, fils d'Alphonse XIII, dernier roi d'Espagne et père de Juan Carlos, vivait son exil politique au Portugal. Il proposait la restauration de la monarchie constitutionnelle avec lui comme roi. Mais le général Franco préfère l'instauration d'une monarchie absolue, suite logique à son régime, et pense offrir la couronne à Juan Carlos, éduqué à cette fin. Il veut écarter à tout prix un maillon dangereusement libéral dans la dynastie espagnole, Don Juan de Bourbon et Battenberg. Depuis que mon fils était dans l'âge de devoir commencer ses études secondaires, j'avais compris la nécessité qu'il soit en contact avec le peuple espagnol qu'un jour il serait appelé à conduire. Donc ça nous a obligés évidemment à nous mettre en contact avec le général Franco, duquel nous d'ailleurs nous avons eu la cordiale bienveillance de nous aider en matière de professeur, en droit d'enseignement, par exemple, il a passé par les trois académies militaires, il était officier des trois armes, il a passé par trois facultés d'université. Donc, il a eu une éducation un peu encyclopédique, mais en tout cas, en contact avec la jeunesse espagnole. Dans quelques jours, le 14 mai, Juan Carlos épousera à Athènes l'un des plus charmants sourires d'Europe, la fille des souverains de Grèce, la princesse Sophie. Ce mariage de l'enfant, c'est l'événement pour les cours d'Europe et sa joie rayonne à travers les grands titres. Comme dans les contes de fées, Juan Carlos va épouser une princesse. Ils furent sans doute heureux et ils eurent en tout cas beaucoup d'enfants. Mais tôt ou tard, ce bonheur devra être librement accepté par le peuple espagnol, sujet ou citoyen. Renaissance du château del Pardo près de Madrid, le général Franco a présidé au mariage de sa fille Carmen avec le marquis de Villaverde, chevalier du Saint-Sépulcre. Le cardinal Prima d'Espagne et le nonce apostolique ont uni le jeune couple en présence de 700 invités, diplomates, ministres, généraux et paysans, venus souhaiter bonheur et prospérité à Carmencita, ex-première demoiselle d'Espagne. Malgré ses origines petites bourgeoises, ou à cause de cela, le général Franco imite la liturgie royale avec beaucoup de panache, même si les grandes familles d'Europe n'acceptent pas ce parvenu dans leur milieu. Tant pis, on reste en famille. Et le recueillement religieux compense les vanités mondaines. Jamais ses occupations d'homme d'État n'ont empêché le caudillo de se livrer aux joies simples de la chasse et de la pêche. Homologué premier fusil d'Espagne, il en est également le pêcheur numéro un. Otro de los rasgos de Franco es su amor a la vida hogareña, en cuya intimidad encuentra compensación a sus tareas de gobierno. Le 19 avril 1963, Julián Grimau, membre du
comité central du Parti communiste espagnol est condamné à mort pour des faits remontant à la guerre civile 25 ans plus tôt. L'émotion est intense à travers le monde et des protestations affluent de partout. Mais Franco demeure insensible même aux interventions des plus grands. À Paris, la police ne tolère pas le désordre et malgré ses traditions républicaines, réprime avec zèle les manifestants. Le général Franco lui ayant refusé sa grâce, cet homme a été exécuté à Madrid le 20 avril à 4h30 du matin. Il avait été condamné à mort la veille pour des actes remontant à 27 ans qu'aucun témoin de la guerre civile ne vint confirmer. Son procès dura en tout 4 heures. Cet homme s'appelait Julien Grimao. Voici Madame Grimao, sa femme. Vous n'aviez pas vu votre mari depuis son retour en Espagne? Non, je ne l'avais pas revu. Et lors de son arrestation, vous comprenez, je l'ai appris par les journaux, déjà, la façon tragique. Donc, alors, ça a été vraiment des moments, c'était très pénible. Ce n'est pas une arrestation normale, vous comprenez. Ils l'ont absolument torturé, ils l'ont défenestré. Et même lors du jugement, ce n'était pas une personne qui était en état d'être jugée. Vous comprenez, toutes les personnes qui ont assisté ont pu le dire. C'est quelque chose, enfin, de monstrueux, ça ne se conçoit pas. Quand votre mari est retourné en Espagne, savez-vous s'il savait ce qui lui serait reproché s'il était arrêté? Vous savez, donc, il ne m'en parlait pas de ses craintes. Au contraire, il était toujours très optimiste. Lui, il était heureux d'aller là-bas, vous comprenez? Il pensait que c'était son devoir, vous comprenez? Même malgré le sacrifice qu'il pouvait faire en nous laissant, lui, il pensait que c'était son devoir de lutter pour le bien-être de son peuple. D'ailleurs, c'était un amour vraiment de son pays et son peuple. C'était quelque chose qu'il admirait et qu'il aimait profondément. Savez-vous ce qu'ont été pour lui les heures qui ont suivi le verdict? Mon mari est un homme très calme, vous savez, qui n'a jamais perdu son sang-froid dans aucune occasion. Et je suis sûre qu'il a été toujours très calme. Même dans sa toute dernière lettre qu'il m'écrit, que c'est très personnel, vous savez, c'est quelques heures avant d'être fusillé, il dit qu'il est très heureux des preuves d'amour qu'on lui a données, qu'il remercie et que, évidemment, que dans ce moment-là, il ne pense qu'à nous et qu'il nous aime tant. Mais c'est quelqu'un qui est absolument tranquille. Vous comprenez, je suis sûre que mon mari, il avait absolument la conscience tranquille d'avoir fait son devoir. Vous avez reçu des témoignages de sympathie du monde entier? Absolument, de tout. Beaucoup de monde. Là, je ne peux pas vous dire des centaines de lettres. Et avec beaucoup d'indignation, dans tout. Parce que ça. Avec beaucoup de. Comment vous dire. De tout pays. De tous les pays et des personnes les plus diverses, vous comprenez? De toutes opinions. De toutes opinions. Même beaucoup de catholiques, vous savez que. Même, il y a le cas d'une lettre très émouvante, c'est une catholique qui me dit: je me sens coupable parce que je sens que je n'ai pas prié assez pour sauver la vie de votre mari. Vous comprenez, ce sont des gens vraiment, avec toute leur bonne volonté, qui sentent qu'ils n'ont pas fait assez. Moi, je pense qu'on aurait pu faire tellement. Et maintenant, qu'est-ce que... Maintenant, je sais que mon mari a exprimé le désir qu'il soit le dernier. Mais moi, avant de savoir cette expression qu'il a dite, moi aussi j'ai exprimé que vraiment, le plus profondément de mon cœur, je désire qu'il n'y ait pas d'autres femmes qui souffrent la même chose que moi. Je sais qu'il y a des milliers qui ont souffert avant moi, ça. Il y a des milliers d'Espagnols qui ont souffert, et des enfants, et qui n'ont pas eu même autant de preuves de solidarité que moi j'ai, et qui m'aident énormément. Mais
Mais je voudrais vraiment que ce soit fini et que cette haine de l'après-guerre soit finie, qu'on vive en paix et que l'Espagne soit un peuple comme tous les autres, qu'il puisse profiter de la vie normalement. 4 mois plus tard, le 17 août 1963, les militants anarchistes Granados Gato et Martínez Delgado sont exécutés au garrot. La pregunta sigue estando en pie como un enigma, pero no es un enigma histórico, es un enigma exclusivamente psicológico. El error político, el error histórico, el error moral se debían simplemente a la extraña mentalidad y psicología del dictador. Le mois suivant, le 26 septembre, les États-Unis renouvellent leurs accords militaires avec l'Espagne. Au cours de la saison 1964, à Madrid, le public pouvait choisir entre deux films, deux visions de la même Espagne. Franco, cet homme, de José Luis Sáenz de Heredia, et Le bourreau, de Luis Berlanga. Oiga, ¿está bien a esta altura? Oiga, ¿está bien así de alto? Yo no sé. Haga lo que usted quiera. Yo estoy esperando. Por favor, ¿qué hora es? Las 5:05. ¿La silla? No, gracias. Estoy bien de pie. Prefiero pasear. Madre mía, ¡San Martín! ¡Visita en el locutorio! ¿Para mí? No, para el ejecutor. ¿Para mí? Para usted, sí. La misión que me llevaba a París era complementar de alguna manera esa otra que había llevado a cabo en Washington. La de normalizar totalmente las relaciones diplomáticas de España con Europa, la de preparar la solicitud de ingreso en el mercado común que se formalizó en 1962, precisamente a través y con el apoyo del Quai d'Orsay, y también, de alguna manera, la de intentar un contacto con los países del Este, que hasta entonces había sido completamente remisos a cualquier clase de conversación o negociación. Tuve unas conversaciones con Sergei Vinogradov, que era entonces la coqueluche de París, un gran embajador, muy amigo del general de Gaulle, y fue el propio general de Gaulle que nos incitó a ponernos de acuerdo para llevar a cabo alguna clase de comienzo de negociación. Esa negociación pudo terminar en una completa relación diplomática ya en 1963 y 64, pero un infortunado incidente, el fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau, que fue detenido en Madrid en esa época, dio al traste con la negociación, retrasando otra vez todo lo que se había hecho en esa materia, no ya con Rusia, sino con otra serie de países como Rumanía, Polonia, etc. En effet, la mort de Grimau contraint les pays socialistes à retarder la normalisation de leurs relations avec Franco. L'Europe des Six, elle aussi, ferme ses portes à l'Espagne, malgré l'entêtement de certaines démocraties, à défendre la candidature de Franco devant le marché commun. 1957. L'Opus Dei, l'œuvre de Dieu, entre au gouvernement. Fondée en 1928, cette institution religieuse s'est assignée comme but pour ses membres d'arriver à la perfection sans quitter la vie normale ni l'exercice des activités professionnelles. Il est essentiellement formé par les représentants des couches les plus influentes de la société espagnole, universitaires, professions libérales et milieux d'affaires. Se voulant apolitique, ils font entrer la technocratie dans l'administration et dans la vie politique. Ils sont à l'origine du miracle économique espagnol, le dernier en date en Europe. Ce miracle est davantage le résultat de l'évolution des pays industrialisés que le fruit d'une politique délibérée et originale. Después de los años de miseria y pobreza extrema, a partir de la ayuda americana se inicia el desarrollo económico español. Es un proceso que va a cambiar la estructura económica del país y va a llevar consigo cambios sustanciales en la estructura social y muy a la larga en la estructura política. L'expansion spectaculaire en Amérique et en Europe se traduit en Espagne par l'apport économique de trois vagues bien particulières. Vague de capitaux étrangers, vague de touristes et vague des migrants. Thank you.
l'afflux des investissements étrangers dans l'industrie espagnole est difficile à chiffrer. Par contre, celui des touristes, dans les années 60, peut être estimé à 2 milliards de dollars en moyenne par an. Ce n'est pas une nouveauté de voir des touristes dans les arènes espagnoles. Quelques années plus tôt, elles en reçurent d'autres, moins décontractées. Les pères, peut-être, de ceux qu'on voit maintenant, en faisant de leur mieux pour se rendre sympathiques. Le concert fut exécuté par 180 musiciens de l'armée allemande, en présence de plus de 30 000 Espagnols. Un touriste retraité qui ne se rappelle plus les attaques dont l'abreuva autrefois la presse franquiste, le général de Gaulle. Sa visite de politesse devient une caution politique plus précieuse que les devises. Le besoin accru de main-d'œuvre dans toute l'Europe industrielle provoque une migration massive de travailleurs espagnols, ce qui diminue d'autant les menaces de chômage en Espagne et lui procure, bon an, mal an, quelques 500 millions de dollars en devises fortes. La emigración es uno de los fenómenos que mejor enseñan las contradicciones implícitas en estos rápidos procesos de desarrollo, que no están racionalizados por un gobierno responsable ni por una administración que tiene clara idea de dónde va y de lo que quiere. Los emigrantes españoles salían en masa y corrieron la más sombría y triste aventura, con el desconocimiento absoluto del idioma del lugar donde iban, sin preparación previa. Campesinos de Extremadura, campesinos de Galicia, campesinos de Castilla caían en pueblos nórdicos a desempeñar el papel del subproletariado. Como emigrante tengo una visión de lo que mi trabajo, mi relación de trabajo aquí en Francia aporta a mi país. En este sentido, yo creo que hay dos lados importantes. Por una parte, es la consecuencia económica de mi trabajo al transformarse en divisas que van directa o indirectamente a mi país, normalmente directamente, en cuanto que se nos llama mucho a invertir allí. Pasar las vacaciones siempre nos atrae volver a nuestra tierra, tiene un sentido de apoyo económico muy fuerte al régimen, pero por otra parte hay otro lado que se vuelve contra ellos, es un lado político, un lado sindical, que viene como consecuencia de toda una experiencia que tomamos en el extranjero. Le miracle économique a sans doute profité à l'ensemble du peuple espagnol. Cependant, certains secteurs de la société, les plus entreprenants, les plus chanceux ou peut-être les mieux placés, ont été plus miraculés que les autres. Un exemple. En 1966, Horizonte Espagnol, publié par Ruedo Ibérico, signale que la famille du chef de l'État se trouve dans une situation financière très favorable. Ainsi, Nicolas Franco, frère aîné du caudillo, présidait 7 conseils d'administration d'importantes sociétés et il était membre de 3 autres. Le succès de Nicolas Franco, simple ingénieur avant la guerre civile, est le plus spectaculaire. Mais il ne faut pas oublier celui des autres membres de la famille, cousins, neveux, beaux-frères et proches du gendre du caudillo, le marquis de Picabello.
Bref, en 1966, 10 personnes de la famille occupaient 52 places dans divers conseils d'administration de sociétés fort prospères. Nous ne disposons pas d'informations vérifiables sur les investissements immobiliers, en bijoux, en œuvres d'art, etc., non plus que sur les dépôts à l'étranger de cette famille. Cependant, comme il s'agit sans doute de gens prévoyants, nous pouvons supposer qu'ils ne sont pas négligeables. Pour l'instant, personne ne peut avoir la prétention d'épuiser un tel sujet. Lo que el régimen calificó muchas veces de milagro económico va a ser en realidad el arma poderosa que se va a volver contra el propio régimen. La juventud española, que va a crecer en otro clímax, que el clímax de la miseria de posguerra, va a pensar desde otras categorías, y esas categorías van a ser las democráticas y van a hacer de la juventud española en general el enemigo más formidable con que el régimen ha tropezado en su largo periodo de vida. Emigrante joven, tenemos una serie de problemas un poco diferentes de la inmigración clásica. El problema de que hemos accedido a una cultura negada por otra parte a las generaciones anteriores en nuestro país. Este acceso a la cultura nos permite, de un lado, la especialización técnica correspondiente a cada uno, pero de otro lado, permite sobre todo un acceso a la información, al conocimiento de toda una serie de noticias que hasta entonces nos estaban vedadas, que provocan en nosotros una reacción para luchar contra una serie de injusticias que nos parecen que lesionan nuestros derechos como trabajadores, como migrantes, como ciudadanos. En régime franquiste, le syndicat englobe patrons et ouvriers. C'est le principe du syndicat vertical. Son incapacité à faire prendre en considération les revendications des travailleurs a entraîné la création d'une puissante organisation clandestine, celle des commissions ouvrières. Aussi a-t-on pu voir, paradoxalement, des candidats de ces commissions se présenter aux élections des délégués au sein des syndicats officiels et, en dépit de pressions et menaces de toutes sortes, y être élus le plus régulièrement du monde. Ce qui n'empêche pas la police de traquer les nouveaux élus et la justice du régime de les considérer comme des agitateurs communistes. Il n'en demeure pas moins que, par un juste retour des choses, la légalité franquiste paie cher ses velléités démocratiques. Pas autant, toutefois, que ceux qui, par nécessité, ont choisi d'y croire. Près de 300 d'entre eux sont aujourd'hui sous les verrous. Marcelino Camacho, arrêté et libéré à plusieurs reprises, a fait plus de 8 ans de prison. À la fin de 1975, il purge encore une peine de 20 ans à Carabanchel. Julián Ariza, métallurgiste, responsable des commissions ouvrières, a été inculpé 6 fois et a passé 5 ans en prison. Los despidos de militantes sindicalistas en nuestro país son tremendos. Una revista de publicación de circulación legal cifraba, después de las elecciones del 71 y hasta últimos del 72, 17.000 enlaces sindicales y representantes sindicales despedidos en todo el país. Entonces, lo que ha ocurrido y lo que ocurre en nuestro país es que el desarrollo general de las luchas, no solo de la clase obrera, que ha sido la pionera en todo momento, la que ha dado el mayor testimonio, sino que se ha generalizado a otros sectores, determina en este momento que no sea posible, a no ser que se convirtiera el país en un inmenso campo de concentración, de detener a las decenas de miles de militantes, sobre todo obreros, que están hoy actuando en una orientación de comisiones obreras. Los casos de torturas a militantes obreros, a militantes de comisiones obreras, han ido menudeando e incluso puede afirmarse que hasta época muy reciente, en estos momentos, constituye la práctica normal. Tratan de sacar información sobre origen de la propaganda, tratan de sacar información sobre vinculaciones, a veces detienen
a militantes de Comisiones Obreras, como ha ocurrido recientemente aquí en Madrid, en donde se piensa que a través de ellos es posible sacar información de otros grupos y, en general, pues puede afirmarse, y particularmente en el País Vasco en estos momentos, que a militantes obreros, y no solo obreros, repito, la práctica de la tortura está generalizada en los sótanos de la Dirección General de Seguridad, en los cuarteles y, en fin, en todos los centros de detención de este país, que son muchos. Pedro Patiño Toledo, masón, militant des Comisiones Ouvrières, est tué par la Garde Civile à Getafe le 13 septembre 1971, alors qu'il distribuait des tracts invitant à la grève. Entre estos momentos, entre los justos, uno pudo insistir al capitán en que me dijera dónde se encontraba mi marido. El capitán me dijo textualmente, su esposo se encuentra en el hospital militar Gómez Villa, con la inconveniencia, con la salvedad de que mi marido solo lo podía ver yo. Después de que el registro, terminaron el registro y no encontraron absolutamente nada que pudiera interesarle, a las 10 de la noche me llevaron al hospital militar con ella. Allí, después de muchos avisos, de mucho hacer esperar y de muchas llamadas telefónicas a diferentes sitios que no tenía conocimiento de dónde eran, se me llevó al depósito de cadáveres junto con un médico que conseguimos nos permitieran entrar porque ya no encontraba en condiciones de entrar sola al depósito de cadáveres. Al entrar allí, vi una mesa tapada por una sábana y un cuerpo que se figuraba. Me destaparon la cabeza y vi la cara de mi marido. Tenía los ojos abiertos, la boca entreabierta y solo se le veía el jersey en la parte del cuello, completamente manchado de sangre junto con la camisa que era blanca y no se sabía de qué color era, puesto que tenía la sangre. Pedí que se me diera la alianza y un paisano que había a nuestro lado con toda la característica de policía asociada dijo que tenía que pedir permiso, nos mandó salir, cerraron la puerta con candado y mientras tanto a mi marido de cantera internacional. El testimonio más alto de corrupción moral que quizás pueda darse consiste en evitar que los ciudadanos puedan comunicarse o puedan llegar a una información verídica de los hechos. La censura en España, la censura gubernamental, constituyó a todo ciudadano español en una isla incomunicada con el resto de sus compatriotas. Había que recurrir a un tantán social, a medios de criptoinformación, para enterarse de lo que ocurría en las altas regiones gubernamentales, en donde la corrupción era más tensa. Yo, como abogado, he tenido que participar en numerosas ocasiones en defensa de empresas periodísticas y de periodistas, apoyándome o intentando apoyarme en los textos de la ley de prensa. Y puedo afirmar que ni una sola vez, en tantísimas ocasiones como he intervenido, he podido obtener la garantía jurídica de un texto legal en la ley de prensa, y que siempre ha sido utilizada al servicio del Ministerio de Información y del Gobierno, fuera de los cauces legales, imponiendo los criterios gubernativos a los tribunales de justicia, que han carecido hasta hoy de total independencia para juzgar los llamados delitos de prensa. Avant la publication de la loi de presse du 18 mars 64, la censure préalable transformait pratiquement toutes les publications espagnoles en organes officiels. La nouvelle loi ouvrait l'ère libérale, du moins en théorie. Les directeurs des publications et les journalistes devenaient les seuls responsables, a posteriori, de la bonne tenue de leur travail. Un nouveau code pénal prévoyait des peines allant jusqu'à 6 ans de prison et 5 000 francs d'amende
s'il diffusait des nouvelles manquant de respect aux institutions. Résultat, en un an, entre avril 1969 et avril 1970, la presse a été l'objet de 118 sanctions, allant de la simple amende à la suspension. Plus tard, des directeurs de journaux comme Villagrán et des journalistes comme Huertas Claveria sont effectivement allés en prison. Como soy de Albacete, vengo a cantarte. Con motivo de un artículo que publicó don Rafael Calvo Serer, referente a la política francesa, en los acontecimientos de mayo, no al general de Gaulle retirarse a tiempo, el gobierno y el ministro Fraga lo estimó como una alusión al general Franco y suspendió inmediatamente al periódico Madrid durante 4 meses. Más adelante, el periódico Madrid continúa la misma línea reformista hasta que el gobierno no tolera la situación y abrió un expediente de investigación de datos con arreglo a la ley de prensa, y en esa investigación de datos, sin oír al interesado, sin darnos parte, de repente se nos comunicó que ese expediente de investigación de datos se convirtió en una orden de cancelación contra lo dispuesto en la ley de procedimiento administrativo. Me pareció simbólico hacer un acto público en el que se viera de manera gráfica a dónde conducía la política sectaria y la política brutal del gobierno. L'édifice du journal Madrid fut volatilisé grâce à une technique très sophistiquée qui évite à tout dommage aux immeubles voisins. España ha vivido 40 años de paz, pero hay que reconocer que el cansancio ha hecho que la paz se esté quebrando en estos momentos. Están levantando otra vez la cabeza aquellos movimientos que nos llevaron al 36 y que son el marxismo, el separatismo, el liberalismo, ayudados por las fuerzas secretas de la masonería. Mais aussi par certains membres de l'Église, comme le père Jaime Rodri, catalan et militant progressiste. En aquest moment, a Barcelona, són molts els cristians doncs, que estan connectats, que estan militant en partits polítics de l'oposició. Hi ha molta gent que, si bé no militen directament en partits polítics, han obert les seves portes, les portes del que ells tenen el dret d'obrir sense necessitat d'haver d'obtenir permisos superiors, perquè els obrers, perquè els presoners o els expresoners es puguin reunir, perquè tota la gent que lluita en l'oposició pugui trobar el dret de reunió i d'expressió que no poden trobar en la vida ciutadana normal. Galícia, Catalunya, Baskonia y algunas otras regiones españolas que no parecen a primera vista tan nítidamente diferenciadas en el orden histórico y en el orden de la cultura, pedían su autonomía respecto de un poder central dominador. En lugar de entender el problema, la dictadura tomó como método la represión. En movilizando las masas para probar la fidelidad de España al franquismo, le caudillo voulait faire contrepoids aux tollés internationaux soulevés par le procès de Burgos. Il y est mieux parvenu par la suite en graciant les 6 condamnés à mort. La condamnation à mort de ces militants accusés d'avoir tué un policier responsable de la répression politique au Pays Basque provoque des réactions populaires partout dans le monde et des interventions des plus hautes personnalités internationales. Du verdict, nous avions parcouru le Pays Basque en état de siège et rendu visite aux familles de quelques-uns des 16 accusés. Écoutons la mère de l'un des condamnés à mort qui avait la veille à la prison de Burgos pu voir son fils, Mario Onendia. Elle m'a dit que lui et tous ses compagnons sont très contents d'avoir vu la réaction du peuple qui les a soutenus et qui s'espère que tout ce qui sont faits jusqu'à présent et le procès lui-même soit positif. Est-ce qu'ils ont été torturés? Quand il a été pris par la police, il a été torturé pendant 9 jours au commissariat et il a perdu presque 30 kilos de poids. L'affaire de Burgos aura fait tout de même une victime, un jeune homme tué à Ibar au cours d'une manifestation contre le procès, Roberto Pérez. Voici sa mère. Quelle était sa première pensée lorsqu'on lui a annoncé que son fils avait été tué?
vengarme de ellos. Se venger. ¿Es que Madame Pérez n'a pas peur de la police? Pues qué miedo voy a tener. Elle n'a pas peur parce qu'elle se demande qu'est-ce qu'on peut me faire. On a déjà tué mon fils. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? La represión del régimen es especialmente dura en nuestra patria. La mayoría de los vascos tenemos algún familiar, algún amigo o algún conocido que ha pasado por la cárcel, está en la cárcel o en el exilio. En los últimos tiempos, las fuerzas policiales han multiplicado sus actos brutales. Por ejemplo, los guardias civiles cargan contra los manifestantes gritando muerte a los vascos y disparando contra el pueblo. Este ve a los agentes de Franco igual que el pueblo francés y otros pueblos de Europa veían a los invasores nazis, como un verdadero ejército de ocupación. Nosotros no practicamos el terrorismo, al contrario, ETA combate contra el único terrorismo que hoy se hace en Euskadi, el del aparato de represión franquista. En Euskadi, la clase obrera es la que dirige la lucha nacional. La burguesía, que en otros tiempos monopolizó la causa vasca, está hoy completamente superada. Tal y como están las cosas hoy en Euskadi, reforzar la lucha nacional es reforzar la revolución. Y así como no es concebible una Euskadi libre que no sea socialista, tampoco puede cuajar en nuestro pueblo ningún proyecto revolucionario que no presente un marcado contenido nacional. Personnage effacé, l'amiral Carrero Blanco était le collaborateur le plus direct et le plus ancien du chef de l'État depuis le début de l'ère franquiste. Secrétaire d'État en 1941, ministre en 1951, vice-président du Conseil en 1969, il avait été nommé chef du gouvernement en 1973. Il n'avait d'autre idéologie qu'une fidélité absolue à la personne de Franco. Cependant, il avait toujours cherché la collaboration de l'Opus Dei. Il avait été placé au poste le plus élevé pour assurer la survie du franquisme sans Franco et l'accession au trône du prince d'Espagne, Juan Carlos. Mais le destin... Bera astoitzu garatik guko groditzen genion. Bekein nagozo beteak zituen eta hilez josidezen Carrero. Zerrano karrika zegoen Elizara goizero behatzitako mizetara joaten zelako berri iritzi zitzaion gure erakundari. Mikel eta ni joan ginen Madrilira. Azeran, pensio batean gela batzu alkilatu genituen. Dokumentazio faltzua genituen, identifikatzeko txartela eta bar. Guztia ongi zegoen. Vivian Hermanos Becker, en el número 6, creo. Coño, parecía imposible que fuera tan fácil una personalidad así. Miramos en un mapa la situación de la calle y vimos que estaba a un paso de la iglesia. Entonces empezamos a rastrear la zona y descubrimos que en la calle Claudio Coello alquilaban dos sótanos. Visitamos el 104 de Claudio Coello y decidimos que fuera Iker a hablar con el propietario. Como ya teníamos una idea de lo que queríamos hacer, es decir, un túnel, yo me inventé una profesión que permitiese hacer ruido sin llamar la atención. Escultor. En el sótano había un váter, una cocina, un armario muy sucio con medicamentos, una lavativa, cuatro discos de Polanca viejos y dos camas. El trabajo en el sótano se empezó el día 7 de diciembre. Lo más duro fue el primer tramo. Cada vez nos desanimábamos más. Quitábamos un ladrillo, aparecía otro. En cuanto dimos con la tierra, empezó a oler a gas. Era insoportable. Y luego, después de llevar unos 4 o 5 metros de túnel, hubo una especie de desprendimiento y se oía todo lo que pasaba en la calle. Con gran resonancia. Más que los coches, los tacones de las mujeres, la gente que pasaba por la acera. Decidimos llevar una pistola para pegarnos un tiro si nos descubrían. Cuando terminamos el túnel, Iker estaba obsesionado con la idea de comer un plato de angulas para celebrar aquello. Y yo decía que no, que había que comerlas después si todo salía bien, pero no antes. Y el otro decía, oye, y si la acción sale mal, mejor comerlas antes. Al final fuimos al restaurante y se comió un plato de angulas. El día 20 nos levantamos muy temprano. Fuimos al sótano, todavía nos quedaba el trabajo de meter las cargas en el agujero, taparlo, hacer la instalación definitiva para estar listos para las 9 o las 10. Se metieron las cargas, los cartuchos se apretaron bien con el cordón detonador para hacer la explosión más efectiva y pusimos la tierra encima y el cordón fuera. Entonces salimos, Javi y yo, vestidos de electricistas, con los monos. Conectamos los cables a la batería y los dos electricistas nos fuimos a Diego de León. Vimos salir a Carrero de su casa
y eso es una cosa que me impresiona mucho. La última vez que se va una persona, cuando sabes que poco después te la vas a llevar por delante. Comentamos esto. Miquel dijo que a él le ocurría algo parecido y que en la iglesia, cuando lo observaba, había pensado. Lo comentamos y recuerdo que añadió que cuando ellos asesinan a nuestros hermanos, a los obreros, a los que luchan, ni tan siquiera se paran a pensar nada. Lo vimos salir del portal, meterse en el coche. Le seguimos hasta la iglesia. Al pasar por la esquina hicimos una señal, una sonrisa a los compañeros, que era lo convenido, para que supieran que el ogro estaba en misa y que iba a pasar. Después, a las 9:25, un chaval de unos 16 años a pedirme fuego. Fíjate que yo estaba con la mano en el detonador, con todo ya conectado, y el chaval pidiendo fuego. No sabía dónde tenía las cerillas ni nada, pero no le quería dejar así y se lo di. Y a los 2 minutos, otro chaval, un poco más pequeño, lo mismo, a pedir fuego. Se fue y al poco vi que John miraba fijo al final de la calle y me quedé pendiente de él. Entonces vi aparecer el coche en Juan Bravo. Vi los coches que venían, el suyo y el de la escolta. Cuando llegaron a la altura del coche nuestro, Javi me dijo, ahora. Avec la mort de l'amiral Carrero Blanco, le fidèle des fidèles, c'est l'un des deux piliers du régime franquiste qui s'écroule. Pour éviter toute possibilité de manifestation, le gouvernement espagnol a décidé d'enterrer très vite l'ancien chef du gouvernement. Aujourd'hui, le prince Juan Carlos reste seul. L'amiral Carrero Blanco aurait dû l'installer en douceur sur le trône d'Espagne après la mort de Franco. La courroie de transmission est donc cassée. Jamais depuis 20 ans, on n'avait assisté en Espagne à l'occasion de ses obsèques, à de telles manifestations franquistes. Franco, 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 Réveil des passions, des haines et des vieux souvenirs, en tout cas le général Franco, à 81 ans, a repris les rênes du pouvoir. Attentat sans précédent dans l'histoire de l'Espagne, car il implique une formidable organisation de ceux qui l'ont mis au point. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'Espagnols, traumatisés aujourd'hui par l'événement, prévoient des jours très sombres. Ce récit pourrait se poursuivre. Il faut bien pourtant l'arrêter. Pour en marquer le terme et pour pouvoir prendre nos distances, nous avons choisi cette date du 21 décembre 1973, celle de la mort de l'amiral Carrero Blanco, disparition qui entraîne aussi celle de l'Opus Dei de la scène officielle. Sur le moment, elle parut importante, décisive. Avec le recul, elle devient un incident, une péripétie dans une trop longue histoire. Il est vrai qu'en Espagne, depuis près de 40 ans, les principaux événements prometteurs de changements historiques ont été ramenés au rang de simples faits divers, noyés avec le temps dans l'immobilisme du régime. Sí, juro lealtad al jefe del Estado. Sí, juro lealtad al movimiento nacional. Juro lealtad de más leyes fundamentales del movimiento nacional. De más leyes fundamentales del reino. Más leyes fundamentales del reino. Sí, sí. Juro lealtad al jefe del Estado. Fidelidad al movimiento nacional. De más leyes fundamentales del reino.